réussi à doubler quelqu'un. Il faut dire que c'était un vieux pépé perclus de rhumatisme. Bien. Alex, au lieu de t'épuiser, pourquoi tu ne joues pas au golf, comme tous les maris de mes amis? T'as vu la tenue qu'ils sont obligés de porter? J'ai juste le temps de filer à l'école pour récupérer mes affaires personnelles. Et pense à ton smoking. Heureusement que tu es là, chérie. Ah oui? Oui. Tu as décidé quelque chose pour le prochain trimestre? Oui. Ces cours du soir, en plus de mon travail, c'est trop, alors. Je suis allé trouver le doyen et je lui ai dit que j'arrêtais. Oh, je t'adore. C'est très égoïste de ma part, mais j'ai besoin de mon mari en ce moment. Tu crois que je le sais pas? Je regrette qu'avec ces traitements, je sois devenue un peu squelettique. Heureusement, j'ai gardé mes cheveux, c'est déjà ça. Cynthia, n'en parlons plus. Tu t'es battue et t'as gagné. Oui. Oui. Et tu sais quoi? Je ne te trouverais pas laide si tu étais chauve. Tu es très belle. Et quand une femme est belle, elle l'est en toutes circonstances. Oh, c'est gentil et je trouve ça plutôt bien tourné. Ce n'était pas seulement pour être gentil. Je dis ça parce que je la pense vraiment. Vous travaillez tard, professeur? Tiens, qu'est-ce que tu fais là? J'avais décidé de faire une petite visite à la galerie d'en face et j'ai vu ta voiture. Comment ça va? Oh, plutôt bien. Au fait, j'ai fini la correction des copies. Alors? Je te félicite, tu as décroché un A. J'ai toujours pensé que tu devrais enseigner ce cours au lieu d'y assister. Eh bien, j'ai peut-être eu beaucoup de chance. Je ne crois pas. Le doyen est prêt à te prendre si jamais tu veux la place. Tu nous lâches au dernier trimestre? Oui, ces cours sont bien trop prenants. Alors il veut m'engager? C'est très flatteur. Bon, désolé, il faut que je me sauve. Tu as quelque chose de prévu ce soir? Une réception en l'honneur du père de Cynthia. Impossible de décommander. Oh. Là, maintenant, je rentre chez moi et ça me ferait plaisir que tu passes. Je viens de finir le tableau. Ton avis m'intéresse. Je peux pas. Ça ne prendra que quelques secondes. Alors maintenant, tu as peur de moi? Non, bien sûr que non. J'aimerais savoir ce que tu en penses, Alex. Je passerai. En coup de vent, je te préviens. Alors, à tout à l'heure. Si je suis sous la douche quand tu arrives, j'ai mis la clé à la place habituelle. Tu te souviens de la cachette? N'aie pas peur d'être dur. Je veux que tu sois honnête. C'est bon, c'est même très bon. Il ne manque rien? Rien du tout. C'est parfait si tu veux mon avis. Tant mieux, parce que je t'en fais cadeau. Tu crois que c'est une bonne idée? C'est pour toi que je l'ai fait. Tu as changé ma vie. Avec toi, j'ai découvert le bonheur. Sheila, non, on en a souvent parlé. On ne va pas recommencer. C'était une bêtise. Oui, eh bien moi, je suis pas d'accord. C'était pire que ça. C'était moche. Alors pourquoi je me sentais si bien? À moins que ça n'ait été que purement sexuel pour toi. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Écoute, comprends-moi, tout le monde disait que j'étais un homme très courageux, alors que je ne savais plus où j'en étais. Maintenant, je le sais. Je me suis jeté dans tes bras uniquement parce que je croyais perdre ma femme. Mais comment ça, tu croyais perdre ta femme? C'est un miracle. Cynthia est complètement guérie. Un miracle? Ouais. Mais tu la disais mourante. Tu étais prêt à refaire ta vie avec moi. Sheila, on ne se connaît que depuis un mois. Comment peux-tu? Et alors, un mois, ça suffit pour savoir qu'on s'aime. Tu as voulu prendre du recul, mais ne moi, j'ai pas... Ne dis pas ça. Tu sais parfaitement que ma femme et mes enfants passent avant toute chose. Alors pourquoi tout d'un coup, j'aurais... Même que moi, Alex. Je n'ai jamais dit ça.
bête à dire, mais on n'aurait pas dû se lancer dans un truc pareil. Alors notre histoire pour toi, c'était rien. Tu es magnifique, t'es comme d'habitude. Merci, et toi, tu es très élégant. J'ai eu bonjour qui te force à rester à la maison. Quelle mauvaise langue. Je m'en serais voulu de rester sur toi. Toutes mes félicitations, Clayton. Oh, quand tu fais un gros chèque, il déroule le tapis rouge et il te gratifie d'une médaille. Voilà comment c'est. Jack, comment ça va? Pas trop nerveux. Tout ça a si peu d'importance. Le menteur. Il a passé toute la nuit à mémoriser son discours pour ne pas avoir apporté ses lumières. Ta mère n'en rate jamais une. Alex. Oui. Meyer, ça a appelé. On a un gros problème. Le contremaître que tu as engagé a un casier judiciaire. C'est un petit cambrioleur minable. Si un client découvre le poteau rouge, on est mal barré. Il me semble pourtant que le cabinet Chadwick avait fait les vérifications habituelles. Je me demande ce qui est arrivé. Eh bien, ils ont simplement bâclé leur boulon, mais je vais les virer séance tenante. Allez, oublie ça et détends-toi. Je m'en occupe demain matin à la première heure. Oui, je compte sur toi. Tout le monde ici sait où s'adresser s'il veut restaurer un tableau de maître, un meuble ancien, ou s'il veut enrichir son patrimoine en devenant l'heureux propriétaire d'une œuvre d'un sculpteur de renom. Mais on ne trouve pas que cela chez Clayton Edmunds. On trouve aussi de la compréhension, de la simplicité, de la générosité. Comme vous le savez, Monsieur Edmunds n'est pas un homme qui fait les choses à moitié. Lorsque nous sommes en contact, nous lui avons exposé nos objectifs et leur utilité. La réponse est immédiate. Il sortit son carnet de chef et dit de combien. J'ai le plaisir de vous annoncer que la contribution de monsieur et madame Edmunds va nous permettre de Vous avez menti, monsieur Dwight. Bah, évidemment que j'ai menti. On y est obligé quand on traîne un casier. Sinon, personne ne vous engage. Je voudrais bien vous garder, mais notre assureur ne va sûrement pas être d'accord. Voilà votre solde et 15 jours d'indemnité. Merci, c'est trop. Rien ne nous obligeait à vous payer. Ça va, je connais le refrain. Inutile de vous fatiguer. Les gars comme vous, ça me fait gerber. Je crois que vous feriez mieux de partir. Marre-toi, mais tôt ou tard, tu vas t'en prendre plein la tête. Dehors. D'accord. Alex, tu peux venir, s'il te plaît. J'arrive tout de suite. Oui, bien sûr. Je comprends parfaitement. Je vous le passe. Ça ne te rappelle rien ? Je l'ai acheté il y a des années à une vente aux enchères. À l'époque, je m'étais dit qu'un jour, ça prendrait de la valeur. Ah oui, 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 je m'en souviens maintenant. C'est une des 6 sérigraphies sur un thème identique. Et depuis quand tu t'es découvert cette passion pour l'art japonais? Depuis que j'ai lu cette brochure qui provient du Hogarth Museum de New York. Ils ont les 5 autres. Et ils sont prêts aux pires folies pour compléter leur collection. Je les ai eu au téléphone tout à l'heure pour leur annoncer la nouvelle. Ils m'ont déjà proposé, tiens-toi bien, 280 000 dollars, et c'est tout bénéfice pour moi. Tu sais, ça fait longtemps que je n'ai pas vu cette pièce. Oh, elle est sûrement là quelque part. Je ne vais pas les décevoir, ces petits gars. S'ils démarrent à 280, ils monteront à 350. N'oublions pas que la collection complète sera estimée à plusieurs millions. C'est bien. Clayton, vraiment, tu es doué. Il faut que j'aille à l'entrepôt, maintenant. Ah, ça tombe bien, j'y vais aussi. Clayton, je vais engager Eric. Cette place de contremaître est faite pour lui. Attention, ce poste n'est pas de la rigolade. J'ai besoin de quelqu'un sur qui on puisse compter et qui sache créer une bonne ambiance de travail. Il a beaucoup mûri ces derniers temps. Bon, bon. Après tout, c'est mon petit-fils. Mais c'est toi qui le supervises. Bien sûr.
J'ai tout de suite compris qu'il fallait que j'achète cette sérigraphie. Je croyais que tu l'avais achetée seulement pour son côté érotique. Ah, ça a compté. Dès que tu remets la main dessus, préviens-moi. J'espère que tu as faim. Je ne peux pas rester, je suis désolée. Oh, j'ai passé ma journée à cuisiner. Tu as dit que tu voulais me parler. J'ai cru qu'on allait passer la soirée à discuter et trouver un terrain d'entente. J'aurais peut-être dû être plus explicite au téléphone. Plus explicite? Non, non. De quoi tu parles? Je parle de la sérigraphie. Il faut que je la récupère. Mais tu me l'avais offerte. Non, Sheila, c'était seulement pour quelque temps. Je te l'avais bien précisé. Si elle avait été à moi, je te l'aurais donnée. Mais là, ce n'est pas le cas. Elle est à Clayton et il veut la récupérer. Très équivoque, tout ça. Notre liaison aussi est très équivoque. Tu t'es servi de moi. Sheila, j'ai reconnu que c'était une erreur. Redescends sur Terre et arrête de rêver. De quel rêve tu parles, Alex? De tes idées fantaisistes à propos de vivre avec moi, entre autres choses. Fantaisie? Oui. Et puis quelles autres choses? Tu vas bien te dire que je suis dingue, c'est ça? Non. Je dois certainement être folle puisque je suis tombée amoureuse d'un beau salaud qui prend une maîtresse et qui s'amuse pendant que sa femme est mourante. Quel beau gâchis! J'ai attendu sa mort durant des mois pour me retrouver sans rien. Va-t'en. Sheila. Fiche le camp, je te dis! Attendez, bougez pas. Oh, quelquefois, je suis vraiment maladroite. Là, vous m'étonnez. C'est vrai, je vous ai bien gardé en cours et vos gestes sont plutôt bien coordonnés. J'ai fait de la danse. D'après un ami, le yoga est très efficace contre la nervosité, encore plus que le sexe. Ça, ça dépend du partenaire. C'était lui, mon partenaire. Oh. Eh ben, s'il préfère le yoga à vous, faudrait lui dire d'aller se faire soigner. Votre voiture? Vous bossez dans quoi? Dans les arts graphiques, entre autres. Ah bon? Ça doit être intéressant. Ça l'est. Vous aimez l'art? J'adore les belles choses. Si vous voulez, on peut peut-être sortir ensemble quelque part. Donne-moi ta main. Appelle-moi. Alex, votre fils est là. Fantastique, faites-le entrer. Très bien, allez-y. Regardez-le. Tu as l'air en forme. Merci.
Dis donc, ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu ici. Ouais, comme tu dis, un sacré bout de temps. Ça me rappelle des souvenirs. Ça, c'est le jour où on avait tenu le stand des boissons à la kermesse avec David. Je dois dire que j'avais oublié ce détail. Pas moi. Il m'avait fait refaire le tarif 5 ou 6 fois parce que mon écriture était soi-disant illisible. Bon, allez, maintenant, on va à l'entrepôt. Tiens, voilà les clés de ton bureau et on a tout. Tu es ici, chez toi. Tiens, mais c'est mon nouveau chef d'équipe. Heureux de te revoir ici, petit. Merci, grand-père. Alors, je commence par quoi? C'est très simple, par mettre la main sur une sérigraphie. Cet abruti que tu remplaces a détruit une bonne moitié des fichiers le jour où il est parti. Du coup, plus personne ne sait où elle est. Attends, ce serait quand même mieux de le mettre au courant avant de lui mais donner... Mais non, ça peut attendre. Le musée de New York est prêt à mettre une somme fabuleuse là-dedans. S'ils viennent et qu'on n'a rien, ils vont bien rigoler. Tu comprends, Ricky? Retrouve-moi vite cette sérigraphie et après, il y aura un bon bonus à la clé pour toi. Si tu me prends par les sentiments, ce sera vite réglé. Parfait. C'est par ici. Je vais prendre un verre de bière. Et vous? Pour moi, ce sera une limonade. Bien, monsieur. Tu joues à boire ou conduire? C'est un peu ça, oui. Ça doit sûrement cacher quelque chose. Tu as encore une fois mis dans le mille. J'ai bu à une époque. Beaucoup. Et je suis plutôt de mauvais poil quand j'ai picolé. Tout ça pour te dire qu'un soir, j'étais complètement défoncé, j'arrive chez moi et puis j'entre dans ma chambre et je surprends ma copine en train de s'envoyer en l'air. Comment t'as réagi? Eh bien, j'ai attendu poliment que le type se rhabille et ensuite je lui ai tout simplement expliqué ma façon de voir les choses. Il a fait 2 mois d'hôpital. Il l'a cherché, n'est-ce pas? Les juges ont vu ça autrement. Merci. Mon père a été obligé de débourser une fortune pour éviter un procès. Et le type, lui, s'est payé un grand appartement en plein dans le centre. Elle est pas belle, la vie? Oui, comme tu dis. Oui. Un jour, il faudra que je te les présente. Ils sont très sympas. T'as de la chance, toi, d'avoir une famille, d'être entourée. Moi, mon père a quitté la maison quand j'étais une toute petite fille. Et même si ma mère est ici, c'est pas du tout pareil. Elle est hospitalisée depuis des mois. Ah bon? C'est triste. Ouais. En plus, je connais personne ici. Oh, t'as sûrement plein d'amis au Canada. Bien sûr. Mais il faut se payer le voyage et j'ai pas de boulot. J'ai même pas de permis de travail. Attends une minute. Tu veux dire que t'es en situation irrégulière? Mais si tu veux, c'est très facile d'aller au Canada gratos. On a des charters ici. Tes démêlés avec cette garce ne t'ont pas dégoûté des femmes, ça me fait plaisir. Pas de toi, en tout cas. De ne pouvoir faire aboutir votre appel. J'ai lu dans un magazine que les femmes connaissent très mal les goûts de leur mari, comme par exemple leur couleur préférée. J'ai horreur de ces magazines. Au fait, chérie, je devais ramener des papiers, je les ai oubliés. Alors je passe vite fait au bureau. J'en ai pour une petite heure. C'est quoi ta couleur préférée? Le vert. Alors, le magazine avait raison. J'aurais juré que c'était le bleu. Oh, tu es très jolie. Ah, rien d'étonnant. Tout dans le maquillage, mon cher. Moment depuis tellement longtemps. Mais Cynthia, oui. Tu es sûre d'être prête pour ça?
Rick, ouais. On croule sous les bibelots ici. Alors si tu as envie de redécorer ton bureau, ne te gêne pas. Hein, ce tableau-là, il est pas mal. Ramène-le donc chez toi, il me rappelle le petit crétin que tu remplaces. L'inspecteur est là, tu viens? Où est ton père? J'en sais rien. J'avais pourtant demandé d'être là. Celle-ci m'appartient. Le musée possède toutes les autres. C'est marrant, vous avez pas l'air d'un flic. Sûrement parce que je travaille dans l'art. Essayez de parler de peinture avec mes collègues. L'un vous répondra qu'il préfère le papier peint. Alors, c'est sûr, elle n'est pas ici? Oh non. On a fouillé tous les cartons à part. C'est quand même lamentable. J'ai débuté il y a 30 ans avec une boutique dans un quartier pauvre. Jamais je n'ai eu à déplorer le moindre vol. Alex, dis-moi, tu as une tête de déterré? Merci. J'ai très mal dormi. Voici l'inspecteur Wright, mon gendre, Alex Conner. Si vous avez des questions, il est au courant de tout. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous avez des indices? Oh, pas encore. Et ce genre d'affaire n'est jamais facile. Je voulais interroger Dwight Bennett, mais le juge d'application des peines n'a pas de nouvelles. De toute façon, ce gars-là n'a pas le profil. Bon, si vous avez besoin de moi, inspecteur, je suis là. J'attends un coup de fil. Bonne chance. Merci. Votre assureur va passer tout le monde au détecteur de mensonges. On aura peut-être une bonne surprise. Personne ne dit joyeux Thanksgiving? Joyeux Thanksgiving! Je n'aime pas être filmé, papa. Tu devrais savoir. Mais si, tu adores ça. Clayton, tu devrais te mettre ce chapeau pour aller au bureau. Il aura du succès. Voilà la maîtresse de maison. Je vous le dirai quand je serai prête pour mon gros plan, monsieur Domi. Il est maintenant débarrassé le plancher. Quelle autorité! Que quelqu'un appelle le SAMU, c'est un des brûlés au troisième degré. Un petit coup de respiration artificielle. Je vais faire un tour dans le jardin. J'espère que madame Zackler prend un bain de soleil. Qui rend ça du feu avant que ça. Oh, Eric. T'inquiète pas, il n'a jamais raté un banquet, surtout s'il y a la dinde. Il est passé prendre sa petite amie. Une petite amie? Parce qu'il a une petite amie? Je ne le savais même pas. C'est bien qu'il recommence à sortir. T'es curieux qu'il t'ait pas mis au courant? Ah, moi, il me l'a dit. Ah, moi aussi. Je m'en fiche, il ne me dit jamais rien de toute façon. Bon, allons porter tous ces petits plats sur la table, je fais ma sauce et on attaque. Tiens, Alex, filme-moi en train de découper cette vieille carne, puisque tu me fais à vos ordres. En fait, lequel des deux, la vieille carne? Le petit seul. Et maintenant, je vais prendre tout le monde. C'est l'occasion de mémorable. Dis-moi bonjour, chérie. Non, mais il y a pas. Il me semble qu'on l'a déjà dit. Ah, oh, regardez qui arrive. Ah, bonjour, Rick. Bonjour, Rick. Désolé, ça circule très mal. Je vous présente Sheila Hart. Bonjour, Sheila. Voici ma mère. Bonjour, je m'appelle Cynthia. Ravie de vous connaître. Comment allez-vous? Oh, merci, ne fallait pas. Et voilà mon père. Oh, monsieur Conner, c'est un plaisir. Puis-je vous appeler Alex? Alex? Oui, bien sûr, c'est pas de soi. Bon. Je crève de faim. Allons nous asseoir. Elle est très jolie. Oui, mes enfants ont beaucoup de goût. C'est une belle chanson. Alex l'adore, il la fredonne souvent. Moi aussi. Votre apple strudel était délicieux. Oh, merci, monsieur Edmund. C'est une recette de ma mère. Ben, rappelez-moi Clayton, trésor. Accroche-toi à cette petite, c'est un canon de première. C'est bien mon intention. Merci, chérie. Merci, grand-mère. Alors, Sheila, d'après Rick, vous seriez une artiste? Je suis graphiste, pour être exact. Elle est super. Et je me suis dit qu'elle pourrait peut-être bosser pour nous. Eh bien, c'est une possibilité. Qu'est-ce que tu en penses, Alex? Nous sommes très satisfaits du travail de Cohen et Newman. Je travaille pour eux très fréquemment.
Je suis plus rapide qu'eux, je prends deux fois moins cher. C'est une offre difficile à refuser. Amenez-moi quelques photos de ce que vous faites. Avec joie. J'ai une idée. Pourquoi vous ne me donneriez pas votre adresse? Je vous enverrai un prospectus. Oh, c'est inutile, j'irai le chercher. Je sais où vous êtes, je passerai. Ou bien Rick me l'amènera. Bon, c'est pas un problème, ma secrétaire s'en chargera. Rick, vas-y, note l'adresse de Sheila, s'il te plaît. Oui? Donne. Voilà. Va en enfer. Oh, très beau quartier. Allez, je vais boire un verre. Allez, allez, allez! La passe! Ah, c'est juste derrière. Oui, oui, formidable, formidable. Casa Conner. Je m'habituerai vite à cette région. Il faut que tu me détestes pour en arriver là. Non, je t'aime. Enfin, je t'aimais. Qu'est-ce que tu veux faire de Rick? Je ne sais pas encore. Il est bavard, il parle de votre famille. C'est la chose la plus importante à tes yeux, non? C'est ce qu'il m'a dit, mais je ne sais plus exactement quand. Ah, si, la première fois qu'on a fait l'amour. Je veux que tu laisses ma femme et mon fils en dehors de ça. Je n'ai aucun problème avec ta famille, Alex. Tu n'as peut-être pas de problème avec eux, mais tu en auras. Ça se passe entre toi et moi, je ne tiens pas à ce que tu... Vous ratez tout, là. Ils ont marqué. Je t'assure, ils sont en train de les écraser. En train de les écraser? Oh, ça devient vraiment très excitant. Allons-y. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? C'est le contre-coup. Une année à t'attendre, ce n'est pas le pire d'attendre. Oh, approche. Je sais bien ce que tu as. Je suppose que personne n'a vu à quel point ça a été difficile pour toi. Tout le monde était focalisé sur moi. Oui, j'ai craqué. C'est vrai, j'avais tellement... J'avais peur. Tu étais toujours si confiant, si convaincu de ma guérison. C'est grâce à toi si je suis là. C'est une preuve d'amour, tu sais. Oh oui. Je t'aime tellement. Un jour, on repensera à tout ça, on sera vieux et ridés. Et je suis sûre qu'on en rira. Tu sais, du style, c'était le bon vieux temps. Et finalement, avec le temps, tout finit par passer. Tous les malheurs deviennent anodins. Regarde Rick. Ça a été très dur et en fin de compte, maintenant, ça se passe très bien pour lui. Et j'aime beaucoup Sheila. Oui, mais ne rêvons pas trop, c'est une fille qu'il ne connaît que depuis quelques jours. Ça ne change rien. Crois-moi, c'est une fille qui a quelque chose. Salut, toi. Salut. Hé, hey, le petit chef. Ouais. On va tous chez Scott ce soir. Il y a une télé grand écran, c'est génial pour les matchs. T'es des nôtres? Non, désolé. Ah, il est malade. Quoi? Je disais que t'étais complètement malade, mais cette gonzesse, c'est pas une corde qu'elle t'a foutue autour du cou, c'est un nœud coulant. J'ai peut-être mado.
Hé, je suis en train de faire la facture de Forsyth et je cherche le bon de commande. Je l'ai mis sur ton bureau? Ah oui, c'est vrai. Je te parie que c'est samedi qu'il l'a déjà cassé, avec sa manie de tout ranger. S'il te plaît, laisse ça, sinon je vais plus m'y retrouver. Tu m'excuses, hein, je pensais que t'étais rentré. Tu profites que je sois pas là pour fouiller dans mon bureau, c'est ça? T'en as pas marre de me surveiller tout le temps? Tu te trompes, ce n'était pas de la surveillance. Je démissionne. Ça ne me plaît pas de bosser dans ce bureau. Je ne te surveillais pas, alors arrête de te comporter comme un idiot. Bon, d'accord. Bon, à demain. Et là, 12357 Sentence Road. Il y a quelqu'un avec toi? C'était la radio. Oh, c'est pour moi? Oui. Pour qui d'autre? Tu as acheté le vin? Oh, j'ai complètement oublié. Pas grave, ça nous empêchera pas de nous régaler. Thank you.
Allô? Je veux te voir, c'est urgent. J'ai rien à te dire. Je sais ce que t'as enduré et je m'en excuse. Ce que tu veux, c'est ta sérigraphie. Le reste ne t'intéresse pas. Garde-la, ta sérigraphie. À partir de maintenant, je veux que tu laisses mon fils tranquille. Il est majeur, non? Je viens! Faut que je raccroche. Ta progéniture est là. Ce garçon est fou de moi et bientôt il sera totalement à ma botte. Salut. Merci. Oui, je me suis rappelé que tu adorais les iris. Quelle mémoire. J'ai intérêt à faire très attention à ce que je dis. Est-ce que ça t'embête si on passe voir ma mère? Non, pas du tout. Tu as été longue à ouvrir. C'était qui au téléphone? Un idiot, un pauvre type qui s'était trompé de numéro. Allô, c'est ici? Oui. Doucement, c'est fragile. Pardon. C'est moi, maman. C'est Sheila. Je t'ai amené mon petit copain. Bonjour. Il s'appelle Eric. Et je t'ai apporté un nouveau tableau pour remplacer celui-là. Tu l'accroches? Parfait. Ils disent qu'elle ne nous entend pas, mais moi, ça m'étonnerait. Oh, il pourrait remplir sa carafe de temps en temps. Ils ne sont pas très consciencieux. Et voilà. Allez, Sheila. Tu vas boire. Je vais vous laisser toutes les deux. Ça m'a fait plaisir de vous connaître. Je t'attends dans le hall. J'arrive. Et après, mon père est parti. Ma mère n'a jamais pu gagner sa vie toute seule, alors elle passait plus de temps à chercher un mari qu'à s'occuper de moi. Je me suis retrouvée dans une famille d'accueil. J'en ai fait une dizaine. Ma mère a déménagé et de fil en aiguille, on s'est perdu de vue pendant 15 ans. Et récemment, j'ai appris qu'elle vivait ici avec un type, mais j'ignorais son adresse. Alors j'ai pris un détective qui a retrouvé sa trace. Le lendemain, j'étais ici. Elle était seule et malade. Pas franchement la joie. Pour toi non plus. Hier encore, tu disais qu'Alex t'avait mené la vie dure. Il est trop perfectionniste. Très vite, il te prend la tête, puis c'est compliqué de satisfaire quelqu'un qui ne fait jamais d'erreur. Pour moi, une chose est sûre, tu es beaucoup mieux que lui. Et moi, je te trouve extraordinaire. C'est la première fois que je ressens ça. Vous, les hommes, vous parlez beaucoup, mais dès que ça devient sérieux, il n'y a plus personne. C'est pas des paroles en l'air. Thank you.
C'est dommage que tu sois obligée de rentrer si tôt. Il faut que je dors. Moi, je suis matinale tous les jours debout à 6 heures. Mais je te promets que bientôt, on fera des folies toute la nuit. Tu me le promets? Bouge pas. Alors c'est sûr, je m'en vais. Oui, c'est sûr. Je vois bien à tes yeux comment ça va se passer. Je te l'ai dit, il faut que je dorme. On s'appelle demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Le grand théâtre des marionnettes. Retrouvez Guignol et les héros des plus beaux contes avec leurs costumes et tous les décors. Vous donnerez ainsi des représentations créatives, récréatives, pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Le numéro 1, La Sorcière, une partie du théâtre. Fascicule et fiches techniques, 19 francs. Del Prado. Bonjour, je suis Hélène Phénoménos. Et lui, c'est mon mari. Moi, c'est Oscar. Là-bas, c'est Alice, Antoine et Nonos. À la maison, l'eau quotidienne de toute la famille, c'est Danone Active. Pourquoi? Parce qu'elle nous apporte du calcium. Un litre couvre 30% de nos besoins journaliers. Et pour les parents, comme pour les enfants, le calcium, c'est important pour les os. Attrape, Nonos! Mais j'en connais un qui en aurait bien besoin. Danone Active, une façon simple de boire du calcium chaque jour. Un produit Danone. Vous allez craquer pour un ours en peluche. Mais lequel? Gaston, l'ours peintre? Alan, l'ours pilote? Philippe, l'ours cuisinier? Avec Ours en peluche, craquez pour une irrésistible collection pleine de tendresse. Le numéro 1, Tommy, l'ours randonneur et le fascicule, 19 francs seulement chez votre marchand de journaux.
avec Palmolive Sensation Printemps, c'est le printemps à chez Christelle. Vous aimerez son parfum. Palmolive, fraîcheur désalisée. C'est si propre et si frais avec Palmolive Sensation Printemps, élu produit de l'année. Des renseignements, comme d'habitude. Il est à la recherche de Dwight Bennett, mais ça va être difficile de le retrouver, si tu veux mon avis. La chance, ça existe. Ouais, c'est sûr. Ah oui, il a contacté notre assureur, on passe au détecteur. Je ne sais pas si c'est très efficace. Et c'est prévu pour quand? Début de semaine prochaine. Personnellement, je trouve ça nul. Enfin, si on refuse, grand-père ne sera pas remboursé. Eh bien, il faut y passer. Ah, tout à l'heure, je vais déjeuner. Ballon. C'est qui pour me donner des ordres? Allô? Encore toi. La prochaine fois que tu m'appelles, je porte plainte. Ah ouais, fallait y penser avant. Ça va? Oui, un peu énervé, mais ça va aller. C'était qui au téléphone? Oh. Laisse tomber. Eh ben quoi, réponds et ne me dis pas encore que c'était un faux numéro. Société Gallagher, j'écoute. Bonjour, est-ce que Mitchell Sloan est encore là? Quittez pas. Sloan à l'appareil. Mitchell? Alex? Ça va? Oui, oui, ça va dans l'ensemble. Et toi? Bien, ça fait un bail. Je sais très bien que ça fait un bail. Dis donc, ton frère, il est toujours à l'émigration? Ah oui, pourquoi? T'as besoin de lui? Oui, il faudrait que je le rencontre assez rapidement. C'était mon ex qui me téléphonait. Ce fou m'appelle 20 fois par jour, il veut me faire craquer. Ses menaces, je m'en fiche pas mal. La prochaine fois, tu vas lui dire que je lui mets la tête au carré, s'il arrête pas. Très bien. Je lui dirai. Chez Lart. Oui. Inspecteur Tunick. Il y a des rumeurs qui circulent à votre sujet, mademoiselle. Ah, je vous présente l'inspecteur Hardy. Lui aussi a de l'immigration. On pourrait peut-être parler tranquillement de ça chez vous. Oui. J'ai été dénoncée. Je suis sûre que c'est lui. Il m'en veut à mort. Bon, on va prendre un bon avocat. Je suis sûre que papa t'en trouvera. Non, j'ai déjà un avocat qui connaît la question. Dans un mois, je suis expulsée. Ensuite, ils vont faire pareil avec ma mère. C'est inimaginable. Il faut vraiment être salaud. C'est une femme âgée et malade. Elle a le droit à sa tranquillité. Écoute-moi. Écoute-moi. Rien de tout ça n'arrivera ni à ta mère, ni à toi. D'accord? Grand-père possède une propriété à une centaine de kilomètres d'ici. Tu vas y habiter pendant quelques temps. On y va tous ce week-end. Tu crois qu'il va être d'accord? Ça fait pas un pli. Il m'a parlé de toi. Il t'adore. Et moi aussi. Bonjour, Clayton. Salut, Rick. Bienvenue dans ma modeste demeure. Merci. Elle est magnifique. Ah oui, elle est toute une vie de travail. Celle-là. Comment faites-vous pour être aussi belle? Oh, merci, c'est trop gentil à vous. Je rêve où vous perdez du poids, Alex. C'est exactement ce que je lui ai dit. Mais il va grossir avec les plats que j'ai préparés ce week-end. Vous venez? Vous devez avoir faim. Ah oui. Rassurez-vous, tout est prêt. Papa, tu me donnes un coup de main?
donne. Tiens. Cette maison a été construite par un trafiquant durant la Prohibition. Eh oui, on raconte que sa femme s'est pendue après avoir découvert qu'il avait une maîtresse, une ravissante petite Mexicaine. Qui est devenu le trafiquant. Elle l'avait descendu avant de se pendre. Très romantique. B-I-O-G-E-N-I-E. Biogénie, alors que penses-tu de ça, hein? Oui. 36 points. Oh. Fantastique, ce jeu est navrant. Et si on faisait une virée à moto demain matin? Bonne idée. Et moi, je peux y aller aussi? Bien sûr. Je viens alors. Attention, chérie, c'est très physique, et puis je ne sais pas si... Oh, si, Alex, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu l'occasion de me distraire. Quel rabat-joie, celui-là, il faut bien s'amuser de temps en temps. Oui, puis on lui donnera la 125. Bon, si vous voulez jouer les casse-cou, ça vous regarde. Quant à moi, j'en profiterai pour finir mon roman, un roman passionnant. Alors ne comptez pas sur moi pour vous emmener aux urgences. Je resterai avec vous, Mimi. Et toi aussi, tu resteras là, t'as juré de passer le week-end avec moi, n'oublie pas. Oui, ben j'aurais mieux fait de me taire. Invalidité. Ça doit bien faire 50 points, c'est un mot qui compte triple. Bien vu. Très bien vu, même. Quand je veux, je suis assez bonne. Vous êtes belle, vous êtes intelligente. Comment se fait-il qu'une femme comme vous soit toujours célibataire? Clayton, tu as de ces questions. Quoi? C'est toute une histoire. J'ai vécu pendant plusieurs mois avec un homme marié. J'en suis pas très fière, d'ailleurs. Mais cette erreur m'a servi de leçon. J'ai été bête. Ne vous reprochez rien. Ce genre d'homme est toujours prêt à profiter de la naïveté des jeunes femmes. N'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que tu me dis ça? Je suis innocent, moi. Et tu as intérêt à le rester. Comment ça s'est terminé? J'ai eu de la chance. Elle l'a plaqué. Et maintenant, je crois bien que je vais l'épouser. Oh, oh voilà une bonne nouvelle. Oh, je suis heureuse pour toi, chérie. Félicitations. Bravo. Bien joué, mon petit gars. Oh, c'est fabuleux. Mais je commence à fatiguer. Alors je crois que je vais rentrer. Je vais en profiter pour rentrer avec vous. D'accord. Je vous accompagne? Non, amuse-toi, ça va aller. Bon, bah, on se retrouve à la maison. T'es prêt, papa? Vas-y, chérie, tout va très bien. Me sert un peu trop. On s'est pas trompé de chemin? Non, en venant, on est passé par là. J'en sais rien, on verra bien. Passez devant, je vous rejoins. Dépêchez-vous! Vite!
mon blouson. Elle a pas dû voir le ravin. Une chance que j'ai été là, hein? Alex. Merci d'avoir sauvé ta femme. Ne recommence jamais ça, Alex, ou je te tue. Il faut aller te faire soigner. Ça t'arrangerait bien que je devienne folle, hein? T'aimerais bien m'envoyer à l'asile. Mais t'as pas de chance. Je sais ce que je fais. Moi aussi. Tu te sers de Rick pour avoir la nationalité américaine. Je suis pas mécontente de ce coup-là. Je vais descendre et leur avouer la vérité. Très noble et surtout très courageux. Ils seront sûrement ravis de savoir que toi, tranquillement, tu couchais avec moi alors qu'au même moment, Cynthia était ravagée par sa maladie. Tu leur diras que tu as volé la sérigraphie par la même occasion, d'accord? Et que tu as menti à la police. Je te parie que ton cas sera vite réglé. Et tu te retrouveras à la rue. Tu perdras tout. Ta famille, ta femme et ton fils. Pauvre Alex. Tu sais que tu as de bonnes idées. Bon. Conserve la sérigraphie, elle vaut une petite fortune. En contrepartie, tu quittes Rick. C'est stupide de me demander ça. Tu ne peux m'obliger ni à rendre la sérigraphie, ni à quitter Rick. Et maintenant, laisse-moi. Mon bain va refroidir. Un idiot. Je suis arrivé à récupérer une bonne partie des fichiers qu'il avait effacés. Et j'ai trouvé ça. Ça remonte à février. C'est la preuve que Dwight Bennett a livré la sérigraphie à une personne qui habite Mesa Avenue. Il faut absolument qu'on sache qui c'est. Excellente idée. Je vais faire la recherche. Et moi, j'appelle l'inspecteur. Non. Je le ferai. Il faut que j'y aille. J'aurais dû expédier ces cadeaux au Canada depuis des jours. Je m'en occupe. Je passe devant une poste en allant chez moi. Faut pas traîner, c'est bientôt la fermeture des bureaux. Oh, est-ce que tu pourrais emballer ça pour moi? Ouais. Je dois passer un coup de fil. Au quatrième top, il sera exactement 17h, 10 minutes, 20 secondes. Il y a un couteau juste devant toi. 30 secondes. Quatrième top, il sera... J'espère que tu as aussi un cadeau pour moi. 17h... Oui, si tu es bien sage. Et 50 secondes. J'ai une dette envers toi. Oh, c'était pas grand-chose. Tu
me remboursera ce soir. C'est promis. J'ai reçu le message. Où est mon pognon? Je ne l'ai pas. Elle l'a pas. J'espère que tu plaisantes. C'est pas très dur de doubler un mec comme Alex, parce que lui, c'est un nulard. Il a même pas été capable de te mettre la rouste que tu mérites. Et son crétin de fils, c'est qu'un gamin qui voit pas plus loin que le bout de son nez. Il faudrait éviter de me confondre avec ces deux rigolos. Ou tu risques d'avoir un réveil douloureux. Déjà, je sors pas d'ici tant que tu m'as pas donné mon fric, ou à la limite le dessin. Alors je vous donne le dessin. Il ne m'a apporté que des problèmes. Oh, la pauvre petite puce. C'est vrai qu'on lui a fait des misères. Elle doit avoir envie d'être consolée. J'ai pas de bol avec toi. Allez, où est-ce qu'il est? Je l'ai planqué derrière la commode. Si je comprends bien, c'est là qu'il était l'autre fois. C'est fou ce que vous comprenez bien. Allez. Au lieu de me mater, vous feriez mieux de m'aider. Vous allez vous accrocher. Je vais me débrouiller. Tu vas te débrouiller? Enfin, tu sais pas comment il va réagir. Oh, qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse? Sheila, sors avant qu'il se pointe. Il est dangereux, tu me l'as dit toi-même. Laisse tomber, je te dis. Je vais me débrouiller. Très bien, alors j'arrive tout de suite. Rick, je raccroche. On frappe à ma porte. Sheila! Bonjour, vous êtes branché sur un répondeur, alors vous savez quoi faire? Sheila, réponds. Réponds-moi, Sheila. Est-ce que c'est lui? S'il te touche, je le tue! S'il te plaît, réponds! Bon, j'arrive tout de suite. Police, j'écoute. Il a pris un couteau. Ils sont en train de se battre, ils vont s'entretuer. J'habite au 12357 Sundance Road, appartement 2. 2? Oui.
Ah, bonjour. On a de la chance que vous soyez chez vous. Ah oui, inspecteur Marcelino. Ça vous embête si... Non, entrez. Merci. De toute façon, le labo va sûrement nous en apprendre plus tout à l'heure. Mais bon, on sait déjà quelques petites choses. D'abord, que Dwight Bennett a été poignardé chez Mademoiselle Hart. Ensuite, que votre fils a été repéré sur les lieux. Il y a aussi les photos de la fameuse sérigraphie. On les a retrouvées sur le corps de Bennett. Donc, les deux affaires sont liées. Et puis, il y a le message sur le répondeur où votre fils menace de tuer quelqu'un. Forcément, Bennett. Mademoiselle Hart nous en dira sûrement plus quand elle la retrouvera. Vous savez où est votre fils? Non. Écoutez, il a été manipulé. Ce n'est pas un assassin. Admettons qu'il ait été. Par qui et pour quel motif? Il n'aurait jamais fait une chose pareille. Et cette histoire de coups et blessures? Personne n'est infaillible. Bien sûr, mais les circonstances sont plutôt similaires. Non. Non. Parce que cette fois-ci, quelqu'un lui aurait fait endosser le meurtre. C'est ça? Bon, désolé pour le dérangement, monsieur Kovner. Monsieur. Si par hasard votre fils vous contacte, il vaudrait mieux qu'il vienne nous voir. Il y a une inculpation de complicité à la clé, pensez-y. T'étais avec qui? Il faut qu'on parle. Une aventure avec cela, vraiment. Mais tu aurais dû alerter Rick tout de suite. Enfin, comment as-tu pu le laisser faire? J'avais peur qu'il te raconte tout. Si tu avais été fidèle, on n'en serait pas là. J'ai été infidèle parce que je pensais te perdre, c'est tout. Oh. Je te demande pardon, Cynthia. Il faut que tu me pardonnes. T'es la seule femme que j'ai jamais aimée, je peux te le jurer. Alex, tu as tout détruit. Écoute-moi. Ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble. Tellement longtemps qu'on s'aime. Donne-moi une autre chance. Allô? Papa? Rick? Où es-tu? Je suis allé me planquer à l'entrepôt. Surtout, reste-y. Je t'en rejoins. Je serai là dans une vingtaine de minutes. Bon, je t'attends. Je fais au plus vite. Je vais y aller avec toi. Non. Non. Il faut que je m'explique avec lui. Je le sais. Cet homme qui était dans son appartement, c'était Dwight Bennett. Mais alors, elle était sa maîtresse, c'est ça? Non. C'était pas sa maîtresse. C'était la mienne. Où est-ce qu'elle est, celle-là? Je suis sûr que tu sais où elle est. J'en sais absolument rien. Je veux surtout pas le savoir.
et tu retrouveras Sheila. Pourquoi tu fais ça? C'est elle qui l'a toujours eu. Je me tenais grâce à ça. Et elle s'en est prise à toi, non, ensuite. Tu mens. Pour se venger de moi. Tu mens. Elle a tué Dwight. Ça ne te suffit pas. Oh non. Elle ne me ferait pas ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai? Alors pourquoi elle n'a pas dit à ce flic que ce n'était pas toi? J'ai honte pour toi. Cette fille m'a complètement embobiné. Ne te fais pas avoir à ton tour. Attends, faut que tu te rendes. Non, tu n'as plus d'heure à me donner. Rick, Rick. J'étais sûr que tu viendrais ici. Je suis allé dans la chambre de ta mère et j'ai vu le tableau. J'ai compris l'astuce. Bon, d'accord. Et est-ce que tu sais... Oui, je le sais, je sais tout. Rick, je voulais lui rendre la monnaie de sa pièce. Ce que je ne savais pas avant de te connaître, c'est que j'allais tomber amoureuse de toi. Tu parles bien. J'étais sûre que tu ne me croirais pas, c'est pour ça que je pars. Dis-moi ce qu'il t'a raconté. Tout. Tu m'as suivi? Oh, papa arrive à la rescousse. C'est très touchant. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. C'est toi qui as tué Dwight. Tôt ou tard, la police te tombera dessus. C'est faux. C'est complètement faux. Il sait que je t'aime et ça le rend fou de rage. Si je te quittais, il serait prêt à divorcer de ta mère. Mais il n'a pas dû te le dire. Ne l'écoute pas. Pourquoi c'est toi que je croirais? Désolée. J'adore les réunions de famille, mais là, je n'ai pas le temps. Donne-la-moi, Rick. Cette sérigraphie m'appartient. Qu'est-ce qu'elle te dit? Je suis sûr qu'elle tirera pas. Elle est prête à tout. Rick, cette fois, c'est ton père qui a raison, alors écoute-le. Non. Non, papa! C'est ta faute, Alex. J'étais amoureuse de toi et tu t'es fichu de moi. Vous voulez boire quelque chose? Oui, je voudrais une vodka. Double, s'il vous plaît. Je vous la prends, merci. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre compagnie. Nous allons décoller dans quelques instants. Nous vous prions de vous asseoir et de boucler votre ceinture. Nous vous souhaitons...
souhaitons un agréable voyage. Non. Allô? Ça va, mademoiselle? Non, ça ne va absolument pas. Veuillez rester assise, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, suite à un incident technique, nous sommes dans l'obligation de retarder le décollage de quelques minutes. Tu as beaucoup de chance. Oui, je sais.